ici, on se trouve tout au fond du massif de Bounette, côté village de Charmire. Et ici, l'alpage s'appelle La Rochette. Hein, qu'on passe ici avec les 50 vaches, une petite durée le printemps, et puis aussi une petite durée l'automne. Et puis après, on monte sur l'alpage qui est plus haut à Bounette. Alors, on la vit avec un grand cœur parce que c'est exceptionnel de partir avec ces bêtes depuis la plaine sur l'alpage. On est proche, vraiment très très proche de nos vaches, de la nature, parce qu'on est 100% au dépend de la nature. C'est elle qui décide, c'est elle qui nous dirige. Nous, on est là, on ne fait que de suivre. Et puis, c'est des moments qui sont extrêmement forts. Alors, on a le printemps qui on tient plus en place, on veut monter sur l'alpage. Et puis là, sur l'automne, eh ben, gentiment, l'herbe s'endort, la nature s'endort gentiment. Alors, on regarde plutôt vers nous, la plaine. Alors, activité, ben, c'est premièrement, il y a les vaches, ça c'est clair, il faut les mettre dedans deux fois par jour, les traire. Après, on a la fabrication qui nous prend énormément de temps. C'est tous les matins de 7h à midi. Et puis l'après-midi, alors sur le printemps, on a le reste des clôtures qu'on n'a pas pu finir. Il faut aller contrôler les génisses, il faut aller déplacer les génisses. Il y a le nettoyage des pâturages. Il y a le bois à faire pour chauffer pour la fabrication. Et là maintenant, on est plutôt en train de gentiment déclôturer et réduire, préparer pour l'hiver. Donc il y a toujours assez à faire. Alors sur le troupeau, on peut quand même dire qu'on perd entre 500 et 1000 litres de lait par lactation. Mais après, c'est des vaches qui sont très très solides parce qu'elles font elles marchent extrêmement loin, elles font énormément de pas. Alors on a quand même des vaches qui sont très dures, très solides, qui ont des très bons membres, des bonnes mamelles. Et puis avec ça, on voit de plus en plus qu'on a moins de frais vétérinaires, on a des vaches qui sont beaucoup plus robustes. Oui, alors pour nous, c'est vraiment une excellente saison, on peut dire ce qu'il en est. On a eu énormément de beau temps, on a eu chaque fois l'appui quand il a fallu. Et puis là même, cet automne qu'on descend ici, on a encore assez d'herbe. On a plus d'herbe que l'automne passé. On a beaucoup moins souffert du sec que l'année passée. Et puis on a eu une bonne production. On n'a pas eu de problème avec le bétail. Alors pour nous, on peut dire que c'est une excellente année. Ça commence déjà presque depuis maintenant, déjà 10 jours à l'avance, qu'il faut déjà tout organiser, trouver le personnel pour venir nous aider. Alors après, il y aura préparer les fleurs, préparer les buissons, préparer les cloches, préparer le char. Ça, on tâche préparer quelques jours avant pour qu'on soit prêt pour le jour de la Desalpes. Après, le vendredi matin, là, on a déjà une bonne équipe qui arrive tôt le matin, déjà autour des 6h, 6h30. Pour commencer lavage des vaches en premier, l'après-midi des génisses, et puis tout ce qui est un petit peu préparatif là autour. Après le samedi de la Desalpes, alors là on va commencer à 1h du matin, on va commencer par les génisses, comme ça les vaches elles restent encore plus longtemps dehors, ils peuvent manger, profiter de manger. Et puis ici, vu qu'on est dans un vraiment tout petit chalet, on doit faire en 3-4 fois. Alors c'est toute une organisation, là. C'est pour ça qu'on commence vraiment de bonne heure. Et puis là, alors, on a aussi la même équipe qui vient du vendredi, qui vient déjà là le matin à 1h. Et puis, alors c'est tous des gens, une bonne partie, c'est les gens de la famille qui font ça depuis XXX années. Et puis on a 2-3 personnes d'extérieur qui viennent, mais que c'est des montagnards. Pour nous, la Desalpes, c'est un peu un jour de réconfort. C'est qu'on a passé tout l'été
sur l'alpage, on a eu des jours durs, pénibles. Alors quand on redescend, c'est un petit peu notre récompense. Et puis on est quand même fiers de descendre avec notre troupeau et de montrer ces belles vaches qu'ils ont passé l'été sur ces alpages. Et puis on est très content qu'on a beaucoup de gens qui nous accueillent, que ce soit ici au village de Charmier, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir passer, et puis aussi au village de la ferme, l'exploitation de base, que là il y a énormément de gens qui nous regardent passer. Et pour eux, ça signifie vraiment l'automne quand on est en bas avec le troupeau. C'est clair qu'aujourd'hui c'est la des Alpes, on est content, mais on y pense déjà à remonter le printemps prochain et puis qu'on sait très bien que ça sera de nous de toute façon vite là. Et puis si on veut faire du très très bon travail, comme je disais avant, quand on réduit pour l'hiver, il faut toujours penser qu'il faudra reprendre le printemps, donc il faut réduire très correctement. Ça veut dire qu'enlever à bien des places qu'il faut enlever les fils et les piquets pour être sûr que la neige ne ramasse pas, puis qu'on arrive le printemps, tout soit cassé, puis qu'il faut tout recommencer. Alors ça, c'est très très important à réduire l'alpage très soigneusement, et puis très propre aussi. Puis comme ça, le printemps, quand on arrive sur l'alpage, il y a déjà, rien que regarder contre le chalet, on a déjà un immense sourire.